les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc on est le 1er janvier 2022, donc on tourne cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais bon, voilà, on m'a contacté donc, pour tourner cette vidéo. Vous allez reconnaître certainement quelques personnages dans cette vidéo un petit peu emblématique qu'on retrouve souvent dans le milieu donc, de la BMW. Je vous fais découvrir ça de suite. Et donc forcément, je vous adresse également tous mes meilleurs voeux en vous souhaitant surtout voilà, de la santé, parce que c'est primordial dans la vie. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien avoir. Et également aussi que vos projets, vos rêves, tout se concrétise, se réalise, puisqu'on a quand même besoin de ça pour avancer dans la vie. Et je souhaite, voilà, pour tous les passionnés de voitures, des nouvelles caisses, des chevaux, enfin bref, voilà, tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Et donc les amis, pour cette année 2022, je vous annonce vraiment du lourd. On continue les tournages, vous allez voir, moi je vais bientôt recevoir mon véhicule. Ça risque de faire boum boum boum. Et donc voilà, n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et sur YouTube également, hein, O'Connor All Car. Et donc à vous abonner pour me donner toujours cette force, voilà, d'aller vous chercher encore des petites pépites de ce genre-là. Eh bien écoute, mon ami Guillaume, salut. Salut à toi, bonne année. Hein. Ben, meilleurs voeux, bonne santé. Tu te souviens qu'on avait parlé d'un futur projet quand tu étais monté dans ma 235i. Ouais. Et voilà, bon, ben, je t'avais conseillé quand même aussi de plus partir sur le B58, chose que tu as faite. Voilà. Et je pense que tu ne le regrettes pas. Non, pas du tout. Bon, alors ben, qu'est-ce que tu peux me dire déjà au niveau esthétique sur ta voiture? Qu'est-ce qui a été fait? Elle a le kit complet, enfin M, pas qu'M. Ouais. Avec le Shadowline, avec les calandres noirs d'origine. Yes. J'ai rajouté les bandes bleues dans la calandre. Alors ça c'est quoi? Ça se clipse, ça se peint? Ouais, ça du clipse, ouais. Ok, tu l'as commandé sur un site peut-être un peu connu? Voilà, tout à fait. La base. Ok, très bien. Très bien. Les petits déflecteurs que j'ai repeints en noir. Yes. Brillant. C'est joli. Ouais, ça va. Les jantes que j'ai repeintes en noir aussi. Ouais. Ben, c'est vrai qu'avec le blanc, ben, ça ressort bien. Ouais. Hein. Je vois que tu as des beaux freins aussi dessus. Ouais, c'est freins M d'origine. Ouais. Des freins impairs. 40 mm. Ok, très bien. Je sais que ces disques-là sont vendus à l'unité. Ouais. Je dis ça comme ça. Ouais. Il faut compter 300 balles. Ouais. J'ai rajouté le petit logo M en noir. Ouais. Les coques de rétro M2. Très joli. Ouais. Avec cette petite barre, les amis. Moi, j'aime bien toujours rappeler ce petit détail. Hein. Ouais, donc, c'était présent sur l'époque sur les E36. Shadowline complet avec. Shadowline complet. Yes. Elle a le toit ouvrant aussi. Ben ça c'est bien quand on est dans le sud. Hein. Le petit béquet Maxton design. Donc ça c'est toi qui l'as rajouté? Ouais. Ça coûte combien à peu près? 140 euros. Ah ça va, ok. Sur très le bien. Site Maxton. C'est pas très cher, ça non, va. C'est pas... Les feux arrière sont teintés d'origine. Ouais. C'est une quelle année frérot ta voiture? C'est une décembre 2018. Ok, très bien. Très bien. Diffuseur Maxton design également. Ah ça c'est vraiment beau par contre. Obligatoire. Ouais ouais, ça franchement... C'est la petite touche qui gonfle un petit peu l'arrière, tu vois. Ouais. Tous les logos noirs. Ouais. Et le logo M140i noir également, AliExpress. AliExpress, très bien. Très bonne qualité, ouais. Pas déçu. Ok. Pas décollé encore, donc... D'accord, bah écoute, comme quoi, hein, on peut quand même personnaliser sa voiture avec... AliExpress. Voilà, avec et AliExpress. Maxton. Et ça voilà, va, tout à fait, tout bien. À fait. En tout cas, franchement, il n'y a pas de faute de goût sur ton auto. Elle est vraiment très, très bien configurée. Merci. Et ça le fait. Donc mon frérot, par rapport au moteur de cette voiture qui est très magique, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? C'est un B58. Ouais. Le moteur, le 6 cylindres le plus... Le dernier moteur BMW en 6 cylindres sur ce sérien. Ouais. C'est un 3 litres, 340 chevaux, 500 Nm. Ok. De couple. Et j'ai voulu lui rajouter plus de chevaux, donc... Ouais. J'ai mis dessus charge pipe FTP Motorsport. Ok. Qui est... obligatoire pour avoir un gain, un flux d'air plus conséquent. D'accord, ok. Un filtre à air BMC dans la boîte à air. Ok, ouais. Une pompe, on va voir ici, une pompe d'Orch. Yes. Donc ça, c'est vraiment la base de la prépa, quoi, ouais. La pompe. Hein. Elle encaisse plus de... Combien ça vaut une pompe comme ça? Je sais que c'est pas donné. 1159 euros, ça vaut. D'accord, bah tu vois, je pensais que c'était un peu plus cher. Ouais, non, 1159 euros. Ok, ok. J'ai pris un pack avec le charge-pipe et... D'accord, très bien. Et après, des Kata, des Fabs sur mesure. Ouais. Fait par Ultimate Car. D'accord. À Vergès. Ok, ouais. Un très très bon soudeur. Ouais, c'est un nom qui revient souvent en ce moment. Sorti de turbo jusqu'au 4 bacs d'origine sur mesure. D'accord. 81 mm. C'est devenu plus bruyant quand tu as fait cette partie? Oui. Ouais, ouais quand même. Ouais, ouais. Ce qu'il faut. Ah oui, c'est parfait. D'accord. Avec les valves d'origine, c'est parfait. Ouais. Ok. Et après, il n'y a pas besoin de plus. Et... 6 bougies en NGKR, ouais. Gapé en 0,55. D'accord. Et pour la partie prépa?
Qui t'a fait cette... La fameuse personne. Et donc forcément, dans le milieu de la prépa BMW, on va reconnaître donc ce garçon avec sa capuche. C'est ça. Voilà. Donc mon frérot, qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur toi, ton activité, tout ce que tu fais? Voilà, moi c'est DC Performance maintenant. Ouais. Je suis basé sur Montpellier. On va bientôt ouvrir un centre de reprogrammation d'ici un mois avec un local. On va pouvoir vous accueillir avec un banc de puissance. Et on va pouvoir faire tout type de véhicules. Donc venez nombreux, hein. Vous serez servi comme il faut chez nous. Donc je tiens à te remercier aussi parce que c'est toi qui m'a envoyé ce cher client. Ben écoute, tu sais, pour la petite histoire, donc il était monté dans ma 235i. Ouais. Et voilà, il m'avait parlé peut-être du B58. Et j'ai dit, écoute, pour le B58, va voir Damien, puisqu'il tu avais la tienne donc à l'époque. Exactement. Et donc voilà, je vous ai mis un bis-bis. Et après, voilà, ça fait plaisir exactement, en tout cas. Je tenais à te remercier. Non, mais c'est normal. On a fait quelque chose de bien. On lui a fait une carte au stage 2 en E30. Ouais. Donc avec un petit peu d'éthanol. Ça développe un petit peu plus de 500 chevaux et 750 newtons. Yes. Donc c'est très bien pour un 140i qui est quand même très léger. C'est un véhicule qui est très très léger et qui surprend quand même pas mal d'autres véhicules. Donc on a fait un petit stage 2. On ne l'a pas poussé à fond parce que le client voulait rester fiable. Il ne voulait pas avoir de coupure, pas avoir de problème ni quoi que ce soit. Donc on est vraiment resté dans les valeurs safe. C'est le mieux. Et puis apparemment il kiffe, hein. Apparemment ouais. Il kiffe. C'est incroyable. Ouais, tu avais quoi mon frérot avant comme voiture? Seat Leon, ouais. L'étude TSI et stage 2 aussi. Ouais, donc ouais, c'est vraiment ouais, tu es passé dans un univers. Ouais, dans un autre level. C'est clair. On lui a fait une carte de boîte aussi, XHP stage 3. Ouais. Il faut savoir que la boîte elle est magnifique d'origine. C'est vrai. Et elle est encore plus magnifique, reprogrammée, c'est vraiment un avion. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure boîte de chez BMW, pour moi. Ouais. Après, chacun son avis. Mais c'est vrai que sur les passages de rapport, moi qui en ai eu une aussi, c'est incroyable, on se rapproche vraiment d'une DKG. Ah non, mais pour moi, je pense que c'est mieux. Ouais. Pour moi, après, chacun a son avis. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà, DC Performance sur Facebook ou alors Turbo Hybrid BMW Diesel sur Facebook, comme vous savez déjà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit sur Montpellier, sur Béziers ou sur Paris, on se déplace. Il n'y a pas de souci, je monte sur Paris une fois par mois, donc n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de faire au mieux. Et si on peut pas faire quelque chose pour vous, j'essaierai de vous orienter vers la bonne personne. D'accord. Écoute, en tout cas, c'est cool. Moi, je sais que tu es toujours actif sur les réseaux. Et que si on a un problème, une petite question, je sais que tu réponds toujours. Et donc, ça, c'est cool. C'est cool. Je te remercie, frérot. Et bonne année, hein, bien sûr. Et la santé, surtout, mon pote. La santé. Bonne année, la santé. Et en espérant que... Plein de turbos, plein de cartos, écoute, plein d'abonnés, plein de vues et voilà. C'est clair. De toute façon, tu sais que dans ce milieu-là, c'est juste de l'entraide. C'est ça. Chacun son domaine. Quand tu travailles avec les bonnes personnes, tu peux que réussir. Exactement. Et c'est chacun son domaine, tu vois. Mais voilà, on est tous là pour s'aider. Pour la même chose. Et ça fait plaisir, tu vois, de voir des personnes qui réussissent, qui montent leur projet, qui ont de l'ambition. Ah, c'est grâce à toi, hein. Mais c'est grâce à toi aussi. C'est grâce aux gens qui me soutiennent. C'est grâce à lui, hein. Je le connaissais pas et au final, on est là en train tout de à fait. C'est grâce à tout le monde, c'est ça. Donc les amis, par rapport à l'intérieur de cette magnifique 140i, déjà voilà, on a des seuils de porte, donc siglé 140i. Donc vous voyez, on a un intérieur donc Alcantara. Voilà, et c'est vrai que c'est vraiment très joli et très confortable, surtout l'hiver. Voilà, je sais que en plus de ça, ils sont chauffants, frérot. Ouais, chauffants, voilà, exactement. Ok. Ben ça c'est le top du top, tu vois. Donc voilà, par rapport à la planche de bord, on a quand même des petites surpiqûres. Ça, c'est une option. Ouais, c'est une option. Ok, très bien. Très bien. Sur piqûre blanche. Ouais. Après, en option, elle est pas mal équipée. Elle a le grand écran. Yes. Obligatoire pour moi. Ouais. Compteur semi-digital à partir de fin début 2018. Ouais. Ensemble. La boîte ZF8. Qui va bien. Tu as fait une petite reprog de boîte? Stage 3 de boîte, ouais. Obligatoire, c'est... La boîte, c'est assez incroyable. Ouais. C'est vrai qu'elle réagit vraiment bien cette boîte. Après j'ai changé les palettes. J'ai mis des palettes bleues pour le look. Très bien. C'est très joli. Ça vaut combien le changement de palette comme ça? 80 euros. Ok, ça va. 80 euros. Moi il faut enlever l'airbag. Ouais. Moi j'ai préféré enlever le volant pour le faire le plus proprement possible. Ouais, c'est clair. Ouais. En tout cas, en tout cas ça rend bien. Et j'ai aussi le chargeur à induction. Ok. Très important, c'est une option. Ouais. Aussi. Ça vaut combien? 540 euros l'option. Bah écoute, chez BMW. Ouais, mais c'est pratique. Tout donc à là, fait. Tu mets ton tel, ça charge. Ça charge très bien. Ok.
Ah bah ça, c'est cool. En venant, j'avais 5%, j'ai 90%. Ok, d'accord. Téléphone, donc, Ça peut sauver la vie. Ouais. Donc les amis, nous voici à bord de cette 140i, voilà, qui est vraiment agréable. Donc mon frérot, par rapport à ton véhicule, qu'est-ce que tu peux me dire, tu vois, sur si on parle un petit peu chiffres? Avec 36 000 km, avec ces options-là, ça vaut à peu près dans les 40-45 000 euros. Ouais, ok. C'est un moteur très, très performant avec... J'en ai eu pour un peu plus de 3000 euros de pièces. Bon, la manœuvre, je la compte pas parce que c'est moi qui l'a fait. Ouais. La cartographie, c'est compté dedans avec la ligne d'échappement. D'accord. Environ dans les 3000 euros, tout compris. Et on a à peu près 500 chevaux. Même d'accord. Un peu plus de 500 chevaux. Ouais, donc ça vaut quand même vraiment le coup. Ah oui, ça vaut vraiment le coup. Par rapport à un N55 qui faut beaucoup plus de pièces. Ouais, ouais, ouais. Là, de N55, si tu changes pas le turbo, tu arrives pas aux 500. Non, c'est compliqué. Ouais, mais après, ouais. Là, si on passe sur un turbo hybride, on serait à 620-630 avec une Dorsch H2. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, on serait vraiment sur un truc. Ouais, là, ce serait un peu plus sérieux. Ouais, c'est clair. Après, au niveau de l'assurance, Je suis pas assuré à mon nom parce que ça fait deux ans et demi que j'ai le permis. Ouais, assuré au nom de mon père et je suis à 50 euros par mois en tout risque. Ok, propre. Ça va, c'est cool. Pour un véhicule de 340 chevaux. Ouais, non, c'est cool. Et toi, tu sais, est-ce que toi, tu es un pro BM de base ou c'est par hasard? Non, je conduis beaucoup de Porsche. Ouais. Et le type E propulsion, il n'y a que chez BM que tu retrouves cette accélération comme ça, le coup de pied au cul par rapport à une Audi ou une Mercedes, c'est différent. Ouais, c'est clair. Ouais. Et tu es devenu un petit peu piqué, tu apprécies? Ouais, non, j'aime bien. Peut-être poussé par l'arrière, c'est bien. Ouais, ok. Propulsion e-drive, j'aime pas. C'est affolant, affolant, franchement. Pas dépassé l'imitation de vitesse, ouais. C'est hard les frérots, là je gigote de partout ça, mais ça tracte fort hein. Ça tracte très très fort, ouais, c'est un démon, c'est ouais là c'est le poids du véhicule, c'est assez insolent, ouais là on a une arme là les frérots, mais un peu. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir vraiment le potentiel de ce B58, c'est vraiment un moteur magique de chez BMW, et vous voyez tout le potentiel de cette voiture, c'est vraiment incroyable, et surtout quand on s'adresse aussi donc aux bonnes personnes pour préparer cet engin, vous voyez qu'on peut vraiment avoir une voiture vraiment belle, classe, propre, avec des grosses performances, et au niveau rapport qualité-prix, on reste quand même sur une voiture qui est beaucoup moins chère qu'une M ou qu'une autre gamme de sportive, et donc vraiment ça le fait. Bon les frérots, écoutez, je voulais vous remercier. Merci. Voilà pour cette première vidéo de l'année. Ouais, voilà, de l'année. Merci à toi. Voilà, en tout cas, c'est super gentil. Cool. Merci beaucoup. Merci à et toi. Et mon frérot, je te souhaite vraiment de tout cœur, voilà, de réussir parce que tu le mérites. Tu sais ce que tu fais. On se connaît, on se suit depuis vraiment de quelques années maintenant. Ouais. Et donc voilà, je connais ton potentiel et je te souhaite vraiment de réussir mon frérot parce que tu le mérites. Bah, je te remercie frérot, voilà. Je te retourne tous les compliments. Hein. Eh ben c'est cool. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.